Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un système à partir de la ClearReader. Donc, la ClearReader est cette machine à lire ici que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. La ClearReader est une machine à lire autonome sur batterie et elle a vraiment une particularité. Et cette particularité, elle est ici. Elle peut être branchée sur votre téléviseur, sur un écran en HDMI. Et vous allez voir que grâce à cette télécommande, qui s'appelle donc le Future Pack, ça va vous permettre de faire énormément de choses. Donc, place à la vidéo. Pensez bien à vous abonner pour continuer à suivre tous ces tutos et démos sur l'accessibilité aux personnes déficientes visuelles. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter la petite manette que l'on peut rajouter à sa ClearReader et qui donne énormément d'avantages. Vous allez voir que maintenant la ClearReader est branchée en HDMI sur votre téléviseur et grâce à cette manette que je vous mets de très près sur votre écran, le Future Pack qui va vous permettre de faire énormément de choses avec cette machine à lire. Vous allez pouvoir avoir une visualisation sur un écran et ça, c'est vraiment génial. Allez, on va tout de suite voir ensemble tout ce qu'on peut faire avec cette petite manette. Donc, qu'est-ce que va permettre le Future Pack? Qu'est-ce que va permettre cette manette? Cette manette va permettre en fait d'aller dans un menu très spécial que l'on n'aurait pas sans cette manette, sans l'option Future Pack. Ouverture du menu principal. Voix. On a accès à ce menu voix. Affichage. Outils. Fermé. Voix. Alors, au niveau des voix, Changement de la voix. Flash L. Changement de la voix. Nederlands, Claire. Changement de la voix. American English, Abe. Changement de la voix. British English, Daniel. Français, Aurélie. Changement de la voix. Français, Thomas. Une possibilité de changer les voix. Affichage. Au niveau de l'affichage, on rentre à l'intérieur. Ouverture du menu affichage. Couleur. On peut donc changer la colorisation du document. Noir sur jaune. Jaune sur noir. Bleu sur jaune. Jaune sur bleu, rouge sur noir, noir sur rouge, vert sur noir, noir sur vert, violet sur noir, noir sur violet, blanc sur bleu sur blanc, ambre sur noir, noir sur ambre, blanc sur noir, noir sur blanc. Voilà, on peut maintenant Mode. les différents modes d'affichage. Page. Colonne, ligne, page, page, colonne, ligne, photo contrastée, surbrillance, La surbrillance. bloquant surbrillance rouge, bloquant surbrillance jaune, ligne en surbrillance. Alors ici, c'est pour lorsqu'on va lire le document, avoir un suivi correct de ce document. Grandeur. On peut jouer sur la taille. 120, 160, 200, 240, 20, 28, 36, 48, 72, 87, 120. Voilà, donc ça c'est pour les personnes malvoyantes. On est actuellement branché sur une télé, donc on a vraiment un très grand écran. On transforme notre télé en une vraie machine à lire. Police. On peut jouer maintenant sur la police. Verdena, Verdena Ball, Arial, Arial Ball, Verdena, Verdena Ball, Arial. Fermé. Et une fois qu'on a terminé nos réglages, on peut fermer. Ouverture du menu principal. Affichage. Outils. On va rentrer dans Outils. Ouverture du menu outils. Voix. Options.
résolution. Défaut. À propos de. À propos de. Application. 3, 14, 22. Caméra. Application. Ouverture du menu. Option. Qualité de la reconnaissance de texte. Détection automatique de la langue. Filtre de colonne. Faire qualité de la reconnaissance de texte. Détection automatique de la langue. Optimale. Rapide. Optimale. Ici, on va mettre sur optimale. Sélectionné. Qualité de la reconnaissance de option. Résolution. Ouverture du menu sélection de la résolution. 800 x 600. 1024 x 768. 1280 x 1024. 1366 x 768. Tenez. Suivant la résolution de l'écran où vous avez branché, je dis bien en HDMI, votre machine, vous pouvez choisir différents choix de résolution. Ouverture du voix. Option. Résolution. Défaut. Et on peut remettre les paramètres par défaut instantanément. Ouverture du affichage. Outil. Fermé. Vue de page. On va prendre tout de suite une photo du document et aller voir la lecture. On appuie sur le gros bouton de la machine. Histoire. Les passeurs de pierre de Strasbourg. Depuis 800 ans, une fondation unique au monde prend soin la cathédrale alsacienne. Reportage avec les tailleurs de pierre lui achève la restauration de la façade sud du transept. Parmine Kinet. Libage de dage, la lumière, intime. Quelques points, lignes. Point aimantaire, et voici Ergent au milieu des tuniques, les visages de dresse statue de la cathédrale, la synagogue d'une, tête baissée, beauté, vue de page. Incarnant l'ancienne foi, âtre couronné. Donc comme vous voyez, on peut aller en vue de page en temps réel lorsque le document a été numérisé. Couronné glorieux, symbolisant la nouvelle, étrange rencontre à fleur de visage, quelques mètres plus haut, discret, mais tout aussi émouvant, un signe gravé, sorte de W renversé, surmonté d'une ligne, la marque d'un tailleur de pierre, sans doute d'un tailleur de pierre. Donc cette manette permet d'activer le Future Pack, une option sur la ClearReader de chez Optelec, donc une option de la machine à lire qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Lorsque vous avez la machine à lire seule, elle est plus dédiée aux personnes non-voyantes. Et lorsque vous faites l'achat de ce Future Pack, c'est plus dédié aux personnes malvoyantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce Future Pack. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à tous! Mentor Forest.com.